Lui, comme il est un peu gros avec les gros. Sur la plage de l'Almanar, par petits groupes, ces collégiens du bassin hiérois et toulonnais sont sensibilisés à leur environnement au travers d'ateliers ludiques réalisés par des lycéens de seconde de Jean Écart à Hyères. On a tout préparé de A à Z. Nous, on s'est occupés tous les trois de l'organisation de la journée. Donc les plannings, faire les groupes. Découvrir et enrichir ses connaissances, voici l'objectif fixé aux 60 élèves présents via une transmission de savoir. La girelle, c'est celle-ci. Ensuite, les rougets. J'ai appris les différentes sortes de poissons et quand on avait le droit de les pêcher, y a, par rapport à la période de reproduction, à la taille. Et pour rendre réaliste l'opération, ramassage et tri de déchets sont au programme, ainsi qu'une immersion sur le sentier sous-marin d'Olbia. C'est riche, c'est beau. Il y avait des sards, des saubes, des mulets, il y en avait plein d'autres, mais voilà. Une action jouée collectivement avec le concours du parc national de Porquerolles, car l'objectif ici, c'est de former des ambassadeurs, porteurs d'espoir pour la protection de l'environnement. Chaque année, donc, on revoit des élèves qui reviennent en nous disant qu'ils ont monté leur projet d'études autour de l'éducation à l'environnement. Depuis sa création en 2011, ce concept n'a cessé d'évoluer, avec l'aval du ministère de l'Éducation nationale.